L'artiste-chanteur Richard Flash revient au devant de la scène musicale béninoise à la faveur d'une tournée nationale entamée samedi 23 juin 2018. Intitulé Flash Live Tour, ce projet se traduit en une série de concerts offerts aux mélomanes de 77 communes du pays. La tournée a été officiellement lancée à l'occasion de la célébration de la fête de Torihue à Toribocito, dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin. Flash Live Tour entend promouvoir les richesses musicales du Bénin, favoriser la détection et la promotion des talents. Il y a une passion, la passion des musiciens, de travailler sur le projet et de ne pas attendre que les gens fassent des cérémonies de mariage ou de deuil chez eux avant de les appeler et avoir du contrat pour tous les artistes. Donc c'est motivant. Et penser à cette population, on lit la tristesse sur le visage des Béninois. Et l'artiste est le seul qui a cette magie-là de changer le visage d'un être humain à travers une chanson. Le temps d'une chanson, vous pouvez changer tout dans le cœur d'un homme. Flash Live Tour est aussi un canal de sensibilisation sur certains sujets sociaux, entre autres les violences faites aux femmes, la scolarisation de la jeune fille, le paludisme, les grossesses non désirées ou encore le planning familial. Le plus grand souhait est que les populations sortent pour profiter vraiment de ce spectacle qui sera gratuit. J'ai dit à Richard Flash, je souhaite que le concert soit gratuit partout. C'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a quelques sponsors que je remercie qui l'ont soutenu. Et le gouvernement, comme j'ai commencé à le faire, va intensifier son soutien. Et je veux remercier tout le monde, tous les amis de la presse. Souhaiter que tous les artistes adhèrent au projet et comprennent que pour nous, il s'agit de célébrer la musique, la culture béninoise. Le porte-flambeau de la musique Zouk au Bénin, Richard Flash, sera accompagné par son orchestre Flash Band. L'artiste a à son actif 4 albums, dont Zekemi, Je veux et Patagnon, qui sont le reflet de la richesse du patrimoine culturel béninois.